Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne pour la suite du Let's Play consacré à God of War Ragnarok. Donc on avait fini la première vidéo en battant l'ours et du coup on va pouvoir continuer l'aventure. Je t'ai connu plus tranchant, Kratos. Un coup de hache, normalement tu aurais déjà dû lui défoncer l'arbre. Va-t-on parler de ton fils qui se change en ours? Oui, dis-nous. Pas maintenant. Nous devons réparer le symbole de protection et rentrer. Qu'est-il arrivé au symbole de protection? C'est toi. Alors c'est ma faute? Ce n'est pas ce que j'ai dit, Atreus. Non, mais c'est ce que dit ta voix. Il est toujours agréable. Hein. C'est bien, hein, malgré quelques années, il n'a pas changé, Kratos. Ah, les flèches du compagnon. Utilisez carré pour demander à un compagnon d'attaquer. Les flèches infligent des dégâts d'étourdissement et se rechargent progressivement. Le nombre de flèches disponibles s'affiche en bas à droite de l'écran. Ça, c'est bien ça. Maintenant. Ah, c'est vrai qu'il y avait le... les attaques à main aussi. C'est pas mal ça. Oh, ce coup de pied est pas mal, hein. Alors, petit, hormis ton don pour les langues et le fait que tu lises dans les pensées des créatures, as-tu développé d'autres pouvoirs magiques? Pas vraiment. Et pour Fenrir? Quoi, Fenrir? Quand il est mort, tu as jeté un sort. Non, je n'ai rien fait. Mais j'ai vu la lumière. Je ne vois pas de quoi tu parles. Un coup de Fimbulwetter, peut-être. Je connais ça. Le fer forgé. Un nouveau, je crois que c'est le troisième qu'on a trouvé depuis le début du jeu. Ah, je regarde un peu tout, hein, si possible. De rien rater, parce que bon, je vais pas nécessairement me refaire toutes les zones. Oh, ça y est, je sais où nous sommes. On est où alors? Raconte-nous. Merde. Qu'est-ce qu'il y a par là? Rentrons chez nous. On attend. Qu'est-ce qu'il y avait là? Ah ben là c'est là où on avait affronté les mecs, ça non? Voilà, c'est là où on avait affronté les mecs, ça. Quand on cherchait Atreus. Vient ce sang. De toi, Atreus. Sérieusement? De toi ou de la proie que tu traînais, je suppose. Je sais pas si je trouve ça rassurant. Oh là! Celui-là. Les images sont belles. Hein. Et l'ambiance, elle est folle. Hein. Qu'est-ce que c'est, ça, encore? Oh, le pauvre! Je voulais pas. Qu'importe les intentions. Seul compte le résultat. Oh non, la maman! Que pouvons-nous faire? Rien. Ça, le problème, pas grand-chose, quoi. La nature fera son œuvre. Approche. Il fait assez froid comme ça. La maison est proche. Encore? Au-dessus, attention. Bon, et c'est comme qu'on récupère les épées de feu là. Non.
pas, ça va pas non plus déclencher le chaos. C'est violent. Quoi, c'est pas fini? Et où Nesta. Allez, dégage. Ils sont nombreux. Ça a été comme ça toute la nuit. Ils devaient être à l'intérieur quand j'ai refait le symbole. Allez, pas tard de rentrer à la maison, on y est. Atreus ! Je voulais juste voir... Oli ! Oui, père. Il est où, lui ? Je le vois plus. Cette soirée était un peu trop agitée à mon goût. Quoique, je dois avouer que cela m'a rappelé le bon vieux temps. Naviguant tous les trois dans des bois jusqu'alors parfaitement inconnus. Ça fait longtemps que tu nous as pas accompagnés. Ah, les lames. Non, je fatigue, certainement. Qui a chassé un cerf les a tous chassés. Comment peux-tu fatiguer si tu ne dors jamais? Il y a toutes sortes de fatigues, petit. Tu le verras en vieillissant. Reposez-vous, mes frères. On voit toujours les choses sous un meilleur angle quand il fait jour. Ça va pas être agréable de dormir avec tout ça là, hein. C'était quoi? Ton arc. Thor. Il est là. Le fameux. Le légendaire, le grand Thor. Mjolnir. Je peux entrer? J'ai à boire. Tu ne me trouverais pas de bonne compagnie. Oh. Je suis sûr qu'on a beaucoup à se dire. Ah ouais, gaillard à côté de Kratos. Et... Oh le Thor avec le bide et tout quoi. Quoi, on n'ignore pas tout, comment ça marche? Tu aurais pu le dire avant que je serve. Que fais-tu là? Moi, je suis venu par courtoisie.
Tu sembles être quelqu'un de calme et de raisonnable. C'est le cas. Tu es une personne calme et raisonnable. Quand la situation l'exige, je sais être calme. Je crois que le moment est bien choisi. Ouais. C'est quoi le troisième invité là? C'est qui? Manque plus qu'Odin et on a le trio gagnant. Hein. Tu sais qui je suis? C'est lui Odin? Avant l'arrivée de l'hiver, il y a eu des malentendus. Plutôt regrettables. Mais je crois qu'on a tous une idée plus précise de ce qui se passe. Bon, ce que tu as fait à ses fils... légitime défense. La mort est ce à quoi les As aspirent. Et soyons honnêtes, ils n'étaient vraiment bons à rien. Mais Baldur... Lui, il avait de la valeur. C'était mon meilleur pisteur, mon atout. Certes, il était complètement fou. Mais il m'était utile et je l'ai perdu à cause de toi. Est-ce que tu me suis? On dirait une vieille arsénile. Tu as une dette. Tout ça ne m'amuse plus. Qu'est-ce que tu veux? Et un alcoolique en plus. La paix, ça te tente? Qu'en pense donc notre vénérable dieu de la guerre repenti, si on ne s'entretuait pas pour changer? Tu restes à la maison, bien sagement, et tu arrêtes de me chercher querelle. J'en ferai autant de mon côté. Bien sûr, il faut que celui-ci renonce à ses recherches pour retrouver Tyr. Oui. Nous savons ce que tu mijotes, alors arrête. L'époque de Tyr est révolue. Il est mort. J'ai compris? Et puis nous serons quittes. Je vais même ajouter un bonus. Je te laisse garder le prisonnier. Celui que tu m'as subtilisé. Eh oui, je sais que tu n'es pas loin. Tu te planques, espèce de sale petite raclure baveuse. Nous sommes censés te croire sur parole? As-tu jamais tenu une seule promesse? Le voilà, mon vieux complice d'autrefois. Où ce qu'il en reste? S'il te dit que la neige est blanche, il te ment! C'est quoi ces inepties? La tête la plus intelligente du monde ne voit donc pas plus loin que le bout de son nez? Ne comprend-elle pas que l'on cherche la même chose? Voilà une offre que tu ne sauras pas refuser. Je règle ta dette envers mon ancienne compagne. Ainsi, je te débarrasse de Freya, et comme cela, ta progéniture est protégée. C'est bien ce que tu veux, n'est-ce pas? Alors, qu'en penses-tu? Surprenant ce moment, quoi. Tu te dis, genre, tu as Kratos, Odin et Thor, quoi. Non. Ne traîne pas trop. Enfin. J'attendais ce moment. Tu n'es pas d'ici. Nous avons une tradition appelée les dettes de sang. Ça veut dire que je prends une part de toi pour ce que tu as pris à ma famille. Sois-y là. Aucune, c'est possible?
Ça, c'était combattu. Maintenant, montre-moi ce tueur de dieu dont on m'a tant parlé. Comment as-tu vu devenir dieu de la guerre? C'est tout. Vous commencez enfin à Et pas très rapide comme boss hein, pour l'instant. Connais mon passé, l'histoire du fantôme de Sparte. Oui. Alors tu sais ce dont je suis capable. Montre-moi. Enfin un peu d'action. Regarde-toi en train d'essayer de reproduire tes anciens. Je ne voulais pas de ce combat avec ton frère. Ce n'est pas mon problème. Ouch. J'espérais voir tes âmes. Elles ne répondent pas quand tu les appelles. Tu m'insultes en te retenant de la sorte. Merde. Marteau la moindure quand même. Ça, c'est pour marier. Désolé pour ta statue, Tyr. Vieux moralisateur. Normal, tranquille, se tourne le dos, serein. Rien de tel que d'attaquer son adversaire dans le dos. Pas vrai. Ouch. Ah merde, aïe, le puncher. Oh, j'ai esquivé. Non, je veux la vie là-bas. Ouch. Chance. La mort de mes fils serait due à la chance. Abruti. Ouch. Tu crois qu'il suffit de t'installer ici et de devenir père pour prendre un nouveau départ? Ça ne marche pas comme ça. Allez, défonce-le. Quoi? Non. Je décide quand c'est. Ah ouais, je me disais, il y avait un problème, moi. Je ne partirai pas. J'avais mitraillé la touche rond. Debout. On dirait le combat contre Baldur au début, un peu, tu vois. Genre quand tu. Quand le mec il arrive, qu'il a 10 vies, quoi. Ouf, ah ouais. Ah ça, il la presse pas trop, ça. Montre-moi ce que tu sais faire. Tu prends cher quand même, Thor. Hein. Ça, c'est pour maudit. Même dans la mort. Garde pour la fin. Qu'est-ce que tu as dit? Moti est venu à nous parce qu'il te craignait. Il est mort des blessures que tu lui as infligées. Oh, écoutez un peu le papa de guerre. Ça sent familier. Quoi? Peu importe. Ouch.
Ah, il fait mal des fois. Alors c'est ça le dieu qui a massacré tout un panthéon parce qu'on l'avait vexé. Je ne suis pas venu pour que tu me dises comment il fait, mes enfants. Je veux voir le dieu de la guerre. Ah, t'es au courant quand même. C'est ça le dieu étranger qui a vaincu Baldur. Ah, la Baldur, j'ai défoncé, garçon. Allez. C'est vrai que ça descend toujours vite, ça. J'ai défoncé tout le monde, mec. T'es de droite qui lui a envoyé. Le voilà. Voilà le dieu de la guerre. Tu viens de payer ta dette de sang. On se reverra. Il se paye celui-là. Je t'avais dit qu'il s'en sortirait. Kratos, c'est Sindri et Brock. Tu parles d'un combat? Peut-on... Chez moi, vite! Odin est avec Atreus. Oh non. Je prépare vite un accès mystique. Allez, viens. C'est pas très loin. Codex? Non, presque. Tu vas y arriver. L2. Alors, codex. Thor. Thor et son frère Baldur sont en tout point différents. Baldur se battait sauvagement et ne cherchait qu'à infliger la douleur. Thor est plus calme, il a soif de combat et non de cruauté. La force de ses attaques surpasse tout ce que j'ai pu ressentir. Son marteau Mjolnir ne fait que décupler sa puissance. Dans chacun de ses coups, osant la mort et la destruction qu'ils ont semés. Il a choisi de mettre fin à notre combat prématurément, une bonne chose pour nous deux. Bah, tu m'étonnes. Après, je l'ai pas trouvé. Je sais pas, du moins. De voir que tu te fais des amis. Qu'est-ce que tu penses de Mjolnir? Tu sais qu'on a fait ce marteau, non? Ah, quelle chance! Oui, je sais. Mais j'étais pas sûr que t'avais monté. En tout cas, la hache l'a tenu tête. Et c'était le but en fin de compte. C'est prêt. Il te mènera chez toi. Encore une chose, Gragalé. Si les As t'ont rendu... Putain, on revient encore là-dedans, là. Une fois que t'auras chassé Odin, il y a un endroit où tu peux aller te vider la tête. Et je parle pas de celle qui papote. Alors, juste, je regarde un truc. Ok. Ça, jusque-là. Fureur. D'accord, ok. Donc, on peut améliorer les trucs. D'accord. Je regarde un peu les compétences, les machins. Donc, la hache, Léviathan. Ok. Force 10. Le pommeau de la hache, niveau 1. Le bouclier, niveau 1 également. La rage partiate qu'on peut améliorer. Ok, jusque là on est bon. L'armure, qu'est-ce qu'on a de beau? L'épaule de survie, la bande de survie, la ceinture de survie, genre les trucs classiques. Les compétences, est-ce qu'on peut apprendre des choses d'ores et déjà ou pas? C'est la question.
comme il faut pour ça. Les attaques au corps à corps infligent des dégâts supplémentaires contre les ennemis enflammés. Bon, autant déjà commencer. Travail de compétence. Ok. Attends, lors d'une esquive, maintenez L vers l'avant et... Oh, c'est pas mal ça. Pour attirer la hache à travers le sol et arracher des... Ok, ça c'est des trucs... Ah, ça me parle cette technique un peu. Bon, on va améliorer un peu des trucs, de toute façon, dans tous les cas, le principe ça va être de tout améliorer au fur et à mesure. Jusque là, on est bon. La carte, non découvert, Midgard pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Les objectifs, rien d'extraordinaire pour l'instant. Allez, go. Que dalle, je te le dis. Va chercher ton fiston. Moi, je m'occupe de convaincre une certaine personne de vous héberger au besoin. C'est qui ta personne? Ah merde, il a enlevé Atreus ou quoi? Mon frère! Ah non, ça va. J'allais partir à ta recherche. Tu es blessé. Et toi? Que voulait-il? Il voulait payer pour le toit. Et... Il m'a invité à Asgard. Vraiment? Je n'entendais plus rien quand tu es sorti. Je lui ai dit non. Évidemment. Bien. Pourquoi voulais-tu voir Tyr? Si je t'avais dit que je voulais le trouver, tu m'aurais pas laissé faire. Tu m'as menti délibérément. À moi! J'aurais aimé te le dire. Tu dois me croire, mais... Maintenant que t'es au courant, il faut que tu vois quelque chose. Non. Fais-moi confiance, il faut que... Confiance! Je ne peux plus te faire confiance. Mets-moi à l'épreuve dans ce cas. Laisse-moi te montrer ce que j'ai trouvé. Et en plus, nous ne sommes pas débarrassés d'Odin. Ni de Thor. Et à l'évidence, ils peuvent arriver à tout moment pour détruire notre maison. Nous n'avons qu'un moyen d'en finir avec eux. Et je crois savoir lequel. Père. Ah, ben voilà. Enfin, mes armes de prédilection. C'est quoi l'orbe bleu là-bas? Prends tes affaires. Alors, l'armure et l'équipement améliorent les stats comme la défense pour vous aider à survivre et la force peut infliger plus de dégâts. Équipez-vous avant de partir. Ok. Elle est moche là. Là, tu as plus de force et là, tu as plus de défense. On va partir là-dessus, qu'est-ce que je te dis? Ok. Alors, les armes. Ok.
Ok, bon ça de toute façon on a l'habitude. Dans marine plus, au niveau de l'arc, la base. Alors juste... Non. Es-tu prêt? Va. Ouais, ne laisse pas l'argent sur toi, on ne sait jamais. Qu'est-ce Ah, ça va. Alors, parfait. Pas ça. Merci. Non. Je voudrais le... Voilà, merci. Je voudrais le menu. Les armures. Merci. Protection des avant-bras. Rien de plus. Protection de la taille. Rien de plus. Protection du torse. Du coup, on a changé la tenue. On est bon. Les compétences. Les lames du chaos. Qu'est-ce qu'on a de beau? On peut améliorer les trucs ou pas? Non. Non plus, non plus. Allez, nickel. Pour l'instant, on est bon. Donc là, âme du chaos, la hache, la classique. Ah ouais, ça a la différence quand même. Au vieux temple dans Fauvebois. Ce sera plus simple à expliquer sur place. Alors, du coup, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là, donc, pour cet épisode. Voilà, bon, on aura affronté, donc, Thor. On aura fait la rencontre, également, donc, de Odin. Je pense que, voilà, pas mal d'informations, déjà, plus ou moins, donc, sur l'ambiance du jeu. On aura vu les deux ennemis, les deux gros ennemis, les deux gros protagonistes de l'histoire, en termes de méchants, hein, d'une part, Thor, avec cette stature imposante, et surtout Odin, quoi. Je m'attendais pas à avoir un genre de mec un peu comme ça, quoi. Je m'attendais à avoir plus, certes avec son bandeau emblématique qu'on retrouve même également là, dans le film de Thor, là, quand on voit Anthony Hopkins avec son bandeau sur l'œil, mais c'est vrai que je m'attendais plus à quelqu'un, on va dire, voilà, avec une barbe immense, avec mes genres de vieux costaud un peu, voilà, genre quelqu'un qui en impose, quoi. Pas un mec rachitique, vieillard, à moitié alcoolisé, quoi. C'est vrai que c'est surprenant, quoi. Je m'attendais à retrouver un peu la stature, un peu comme on avait pu voir Zeus à l'époque quand on faisait les God of War, les premiers en Grèce, quoi, voilà. Ben, j'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo. Voilà, ben, on aura fait le combat contre Thor. J'ai pas trouvé ça très compliqué au niveau de Thor. J'ai pas non plus trouvé qu'il était très très rapide. Je veux dire, c'est pas un combat, voilà, je veux dire, il est pas très compliqué à esquiver dans l'ensemble. Et franchement, ça va, quoi. Les AOE, c'est pas non plus très compliqué. Il y a les zones au sol. Les attaques, voilà, vous roulez un peu à droite, à gauche, vous esquivez, vous vous protégez avec le bouclier à défaut. Et dans l'ensemble, ça passe plus ou moins tout seul, quoi. Il n'y a pas non plus à galérer, quoi. Voilà, ben, je vous dis à la prochaine. On se retrouve sur la chaîne pour la suite des aventures de God of War. Voilà, ciao, ciao!